guys. So the church I found yesterday is actually a Christian Protestant church, which is my branch of Christianity. So as I was walking back today, I saw that it was open and that they're gonna have a service right now at 7:30. So I'm gonna watch the sermon here today, and I hope God speaks to me through it. And yeah, it's nice. Looks, the church is beautiful. It's like a old church. It's really pretty. Really, really nice. And the musicians sound really good. I hope to understand the word as well. And yeah, let's see. He's one of the models who's working at Issey Miyake showroom with me, and I wanted to ask him some questions. He will answer in French, and then I'll just write the subtitles eventually. So the first question is actually a request. Can you please introduce yourself with your name, country where you were born, and your profession? Je m'appelle Baptiste. J'ai 24 ans. Je fais du Burkina depuis 5 ans. Je viens de Lille, nord de la France. How long have you been working as a model? 5 ans. Ça fait 5 ans que je suis mannequin. J'ai commencé à Lille en 2 ans. Et ça fait 3 ans le mois prochain. C'est pas 3 ans, en février, ici à Paris. How did you become a model? Did you go somewhere? Like, how did it happen for you? J'ai commencé avec mon père, qui est photographe, amateur, juste une passion. Ok. J'ai accompagné une amie à moi, donc avec une agence à Lille. Ça a commencé comme ça. J'ai été pris sans passer le casting. J'ai accompagné mon ami, oui, et j'ai été repéré comme ça. Ok. Did you get the job and your friend not? Okay. Yes? Yeah, I have a casting with him. Yes? Oh, no, that's okay. That's how you started. It's just your story. Yes. Okay. Okay. How is it to be a model for you? Like, how is your experience? Do you like it? What is it? Like, what would you say about this industry? De mon expérience, je n'ai que, j'en retire que du positif. Ça demande quelques sacrifices. Oui. Parce que j'habite toujours à Lille, du coup j'ai fait beaucoup de trajets entre Paris et Lille. Mais les gens que je rencontre, les manières de faire, c'est vraiment sympa. Intéressant et enrichissant aussi. Oui. So, could you tell us, so you also work as an actor, right? So, tell us a little bit about that. Yeah, je suis aussi comédien, plutôt amateur, mais je travaille à devenir plus professionnel, et ici à Paris principalement. So, what do you like to do in your free time? Je travaille avec mon jeu d'acteur, pour des cours de théâtre, et aussi j'aime beaucoup cuisiner. Je fais pousser des légumes. Pousser des légumes, après je récolte mes légumes et je les cuisine. J'aime cuisiner mes légumes. Ça va, ok. So a lot of people ask models, like, how can I become a model? Like, people ask a lot of things about this industry because a lot of kids want to be a model. And what would you tell these people who would like to become a model? What would you give them as an advice? Je pense que le meilleur conseil, c'est de rester naturel. Okay. Et, bien sûr, d'être à fond, c'est d'être social.
savoir se connecter aux gens assez facilement, mais de rester le plus naturel possible. Enfin, je pense, voilà, ne pas changer, ne pas pouvoir devenir quelque chose d'autre qui pourrait correspondre à une idée qu'on se fait du médecin, mais être soi-même. Yeah, it's very sad because you see some people changing a lot and you're like, it's very sad. Parce que si tu changes, tu vas revenir à ton état naturel. Si tu te forces à changer sur quelque chose, et après c'est weird. So modeling gives us a lot of opportunities of traveling and like seeing different things, meeting different people. What would you say that's one thing you will always like to remember? Something that you lived and it was really nice. What would you say that was one thing for you? Not the best, but something you really liked. Bah, tu as raison, je pense. Le côté le plus important, c'est vraiment de rencontrer des personnes différentes, comme toi, Thiago, ou d'autres personnes qui viennent de chaque coin du monde, qui ont eu des expériences différentes dans le monde, dans leur vie, tout simplement. Je dirais que c'était. C'est par des gens que j'ai rencontrés durant mes 5 ans où je fais ça. Donc, je suis parti avec Carol Max. C'était le meilleur moment de ma vie où je faisais des choses super. On se connaissait à peine. On a shooté, on a profité de la mer, du bateau. What would you say that's a myth about the modeling industry? Like, a lot of people say, for instance, models are very skinny, only like skinny people have to be model, like can be models, or very tall people, just, I don't know, random stuff. But what would you say something? Différentes substances. Ça, c'est pas vrai. Si tu veux être quelqu'un qui travaille beaucoup, tu as besoin d'être dans une bonne hygiène de vie, de bien dormir, de prendre soin de toi, parce que mine de rien, tout le monde travaille, c'est la plupart. Ça, c'est plein de clichés sur la vie élevée des mannequins qui font rien de leur journée, qui vont s'attendre. Peut-être certains, mais moi, derrière la journée, je fais un peu attention à. So if you had one wish, anything you could want to have, what would it be? Would it be your one wish? Anything. Unlimited. Je voudrais assez d'argent par an et de pouvoir créer tout ce que je veux. Je m'intéresse beaucoup à la cuisine. Je veux dire, j'ai deux grandes passions. J'aime beaucoup la mode et la cuisine. Et j'aimerais pouvoir créer quelque chose qui puisse combiner. Very nice. Okay. Very nice. Thank you very much for your time. I wish you great success, good luck with everything, and I hope to work with you again. It's always a pleasure. And yeah, I hope you guys enjoyed this interview. This is Baptiste. My name is Thiago, and see you guys later. See you soon. Bye.